Enfin, tu m'entends. Je te parlerai avec des termes que ta conscience est capable de comprendre. Allons-y. Sais-tu ce qui arrête une pensée? Élément quantique numéro 1. Le prana. Le chi. Dantian. Peu importe le nom que l'homme lui donne à travers le monde, c'est là où l'ADN vit. Lâche prise. Retrouve le sens du sacré. Renmai. Force Yin. Vaisseau conception. Méridien du cœur. Ouvre et respire. Contemple la cascade primordiale d'énergie. Célèbre et accepte la chute. The Fallen. Oui, tu es le déchu. Thank you.
Thank you.
Élément quantique numéro 2. Chuanji. Le pivot de jade. Minéral. Là où l'ADN sommeille. Apana. Purification. Exorcisme. Dumai. Vaisseau gouverneur. Soufriant. La montagne de l'âme t'attend. Laisse l'univers t'apporter ce qui est prévu au menu de ton destin. Thank you.
Thank you.
Élément quantique numéro 3. Angod, l'ancêtre. Udana, règne végétal. Là où l'ADN rêve. Méridien du foie et vésicule biliaire. Connexion verticale. Axis Mundi. Dragon ailé. Serpent cosmique. Liane spectrale. Hélice torsadée. I.O. O.N.A.M.O. La colonne blanche. Le temps. Chaque respiration a un sens. Tane Mahuta. The Lord of Forest. Protège et respecte l'arbre. Le bois t'apportera la sagesse. Thank you.
Élément quantique numéro 4. Viana. L'animal. Là où l'ADN s'éveille. Méridien des rats. Veine tellurique. Fleuve d'énergie. Mouvement terrestre. Aigle du nord. Condor du sud. Tangaroa. Dieu des océans. Wae. Esprit de l'eau. Épouse l'eau de ta rivière. Écoute l'eau. Pour être l'eau, tu devras penser comme l'eau. L'eau n'a jamais peur. L'eau ne pense pas. Élément quantique numéro 5. Samana. L'âge de métal. L'homme. Là où l'ADN redevient conscient de lui-même. Méridien des poumons. Vaincre la dépression.
Vaincre sans combattre. Les trois démons du mental. Apprendre à utiliser la force de l'univers. Premier démon, l'élasticité. Ce qui est souple s'adapte, ce qui est rigide casse. Deuxième démon, l'instabilité. Tout influence et interagit avec tout, et en tout temps. Accepter le chaos, c'est accepter la vie. La vie, c'est le chaos. Troisième démon, la symétrie. Nous y sommes. L'ADN est constamment informé par l'invisible. Seule la spirale t'apportera l'adhérence nécessaire. Le point zéro, le juste effort, la voie de l'équilibre entre détente et tension.
Élément quantique numéro 6. Le feu sacré. Là où l'ADN chante. Icaro. L'omniscience. Maître du cœur et tout autre méridien. Tout comme l'eau. La flamme est en toi. Pour percer le dernier secret, il te faut devenir maître de ton destin. Corriger constamment ta posture. Dominer tes émois. Conquérir la sphère triple signifie discerner les impulsions du corps physique. Apprivoiser les démons du mental. Laisser guider les impulsions de ton âme.
ramène. Je ramène. Paix et amour. Pas de haine. Tout pour mes fratelles. Salam, maman. Les paumes vers le ciel. Saram, bâton. Ils ont voulu m'avoir. Je dément. Je m'immole avec un mic. Je suis contre le fight. J'irai jusqu'au bout. Je ressens. Ma peur, je la soulève comme une coupe du monde, le plus haut possible vers le ciel, que les anges puissent pisser dedans. Imagine que la terre sous tes baskets, c'est ton seul passeport, que les racines t'admettent, que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus beau, que le ciel, c'est haut, c'est vachement haut. Je kiffe sentir nos enfants paisibles, sortir en paix, ivres. De toutes ces merveilles. Respire, tu vas pas mourir d'envie. La plus belle prière se résume à dire merci. Élément quantique numéro 7. Nirvana. L'éveil. Le septième ciel. La transe. L'extase. Là où l'ADN devient omniprésence. Triple réchauffeur. Apprends la géométrie sacrée. Tu connaîtras l'envol de la conscience, la vacuité lumineuse, le grand tout, la non-pensée. La danse est un hymne à la verticalité guidée par le cœur. L'univers s'exprime à travers toi. Dieu se cache dans les profondeurs du souffle. Thank you.
We'll be right back.
Très bien. Par la conscience, tu as voulu consulter les oracles désunis de ce monde. Obsédé de voyages et de connaissances sans limite, tu as souhaité savoir ce qui arrête une pensée. La réponse est rien. Rien n'arrête une pensée. À présent, tu es comme tout le monde. Tu te demandes où se dirige l'âme lorsqu'elle quitte ce corps physique. À cette ultime énigme, il n'y a que deux solutions possibles. Mourir ou devenir chaman.